m'entend et est-ce que vous me voyez droit? J'attends vos commentaires pour finir de m'installer. C'est mon feu qu'on entend crépiter si fort. Alors, si vous êtes d'accord, la musique, toujours et encore, la musique masque toujours ma voix. Toujours et encore. Mes régisseurs son et lumière. Merci de me répondre. Et comme ça, est-ce que ça va pour vous, s'il vous plaît? Merci. J'inaugure de nouveaux écouteurs qui sont apparemment pas terribles. Alors là, si j'ai refait. D'accord. Alors bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais vous mettre la musique, si vous voulez bien patienter. Je vais mettre la musique en fond, puis je vais aller régler ce petit souci technique. Partez pas, on va faire un joli travail ensemble. Puis ceux qui veulent partir, belle soirée à vous. Et je vous dis à tout de suite pour les autres.
Voilà, je vais la mettre en fond, vraiment en fond. Et j'espère que là, bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps. J'étais à la recherche d'écouteurs un peu plus efficaces que celui-ci qui ne semble pas fonctionner sur mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Pour ce cercle de silence, c'est pas mal que vous puissiez pas forcément m'entendre, à la limite. C'est un peu dans le sujet, mais ça serait quand même bien que vous puissiez m'entendre. Alors, est-ce que c'est bon pour vous, là? Dites-moi, s'il vous plaît. Pour celles et ceux qui sont encore connectés et branchés. Merci Noria. Ok, merci Samuel. Bien. Bon, vous savez, ça fait partie un peu de... Comment dire? Du stress post-naissance, on va dire. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est le deuxième cercle. Bienvenue à vous qui êtes là, connectés. J'ai annoncé il n'y a même pas une demi-heure. Cercle de silence où je vous propose qu'on passe un temps ensemble. Puisqu'on ne peut, pour certains et certaines, pas se voir en direct, on va prendre un petit temps, cercle de silence, pour voilà, je vais vous proposer un temps de méditation avec des manières ou des, c'est pas des techniques parce que je n'ai pas de technique à proprement parler, mais on va laisser faire et dérouler dans l'instant présent. Si vous voulez prendre un temps avec vous. Pour vous relier, parce qu'à la suite du premier direct, en fait, du premier cercle de silence, merci Karim, parfait Noria, merci à vous. J'ai eu pas mal de retours quand même, et finalement, bah, ça a bien fonctionné, parce que pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, la proposition qui avait été faite lors de ce premier cercle, eh bien, a été très utile, et vous avez mis en pratique pour certains et certaines. Donc ça, c'était pour moi une très très bonne nouvelle et c'est ce qui fait que, du coup, j'avais envie de réitérer, de reproposer. Bien sûr, pas forcément la même chose, mais sur la base d'un cercle de silence. Et comme je le disais lors du premier cercle, quand j'ai eu l'intuition intérieure, eh bien, le cercle de silence, je ne peux pas le faire seul, donc on doit être à plusieurs. Et on va donc ensemble créer, vivre ce cercle de silence. Alors, pour commencer, je ne sais pas si vous avez votre verre d'eau, mais ça pourrait être pas mal si vous aviez un verre d'eau à côté de vous pour commencer à vous poser dans votre présence. Et boire quelques gorgées. On va commencer. Installez-vous confortablement. Installez-vous confortablement. Allongé, semi-allongé ou assis ou assise. Les jambes pliées en tailleur ou les pieds posés à terre. Choisissez vraiment l'assise qui vous convient le mieux. L'idée, c'est de rentrer dans son silence. Et pour ce faire, je vous invite à prendre conscience de votre inspire et de votre expire, tout simplement. Il n'y a pas de technique. On ne va pas chercher à faire à la manière de. Ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est d'être avec vous-même, dans votre présence, et d'expérimenter cette expérience qui est la vôtre et qui sera vraiment unique. Alors, je prends un profond inspire par le nez. Moi, je suis assise en tailleur, j'ai posé mes mains sur mes deux genoux, sur mes genoux, chacune de mes mains, ma main droite sur mon genou droit. Main gauche sur mon genou gauche. Je me suis installée avec, je suis au sol en fait, avec des coussins qui surélèvent un petit peu mon bassin. C'est beaucoup mieux pour créer une verticalité avec la colonne vertébrale. Ça crée comme une légère cambrure au niveau du bas du dos, au niveau de votre sacrum, du bassin, donc du bas du dos.
Et c'est très bien parce que c'est ce qui va activer et ouvrir au niveau du bas-ventre la respiration et l'activation donc, de votre respiration jusqu'au bas de vos ventres, de votre ventre. On ne va pas juste respirer au niveau des poumons, on va vraiment descendre et ouvrir au niveau du ventre, du chakra racine. Donc les mains posées, si vous pouvez, sur vos genoux. Bassin légèrement relevé, la colonne droite, vous n'êtes pas affaissé mais vous vous sentez dans votre verticalité et là vous pouvez sentir votre respiration de manière vraiment simple et beaucoup plus ample que si vous étiez adossé, recourbé. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir. La prochaine fois je ferai en sorte de pouvoir me filmer pour que vous puissiez mieux me voir et que je puisse mieux vous montrer à la limite. Mais là, c'est très simple, rien de compliqué en soi. Première inspire. Je peux inspirer par la bouche ou par le nez. Inspire profondément. Gonfler le bas du ventre si tu le peux. Et expire, cette première inspire, expire, cette première respiration juste pour que tu puisses te poser dans ta présence avec toi. Te poser, que ce soit une porte ouverte dans un espace dans lequel tu vas pénétrer, qui n'a plus rien à voir avec toute la journée que tu as eue, une journée de travail, une journée active, etc. Inspire tranquillement et expire à ton rythme. Quand tu inspires, tu peux te connecter à ton chakra coronal, c'est-à-dire juste le haut de ton crâne, sans même parler des chakras, le haut de ta tête, en conscience. Comme si qu'il y avait un soleil, un petit soleil, tout rayonnant au-dessus de ta tête. Tu peux visualiser en fermant les yeux et recevoir et récupérer par ton inspire toute cette chaleur, cette bienveillance, cette douceur, cette couleur. Imagine la couleur que tu souhaites de ton soleil. C'est toi, cette méditation, elle t'appartient. C'est toi qui décides. Et dans l'inspire, tu prends et tu récupères l'énergie de ce soleil qui va venir remplir tous tes poumons et le haut de ton cœur et de ton corps. Gonfler tes poumons. Et si tu peux et si tu veux, tu peux t'arrêter une seconde. Inspire, soleil. Je fais descendre et toute la chaleur, tout le rayonnement s'inscrit sur mon visage, sur mon cou, sur ma poitrine, et au moment de la fin de mon inspire, je bloque une seconde pour laisser rayonner toute la chaleur de mon soleil, le laisser rayonner dans tous mes poumons, dans tout mon espace, au niveau de toute ma poitrine. Et au moment de l'expire, par la bouche, je libère, c'est comme si je créais un mouvement d'inspiration bien sûr, et l'expire va permettre d'aller libérer, c'est comme une vague qui vient pénétrer tous mes poumons et tout le haut de mon corps, et cette vague là, une fois que je l'ai posée dans mon silence, cette fraction de silence que j'opère après l'inspire, et au moment où j'expire, je vais expirer tout ce que le soleil aura réussi à prendre comme une vague, ça peut être du stress, des peurs, de la tension. Quoi que ce soit, vous pouvez, par ce mouvement-là, activer en vous la respiration soleil. C'est celle qui me vient maintenant, hein. Je vous dis, j'improvise dans l'instant.
Et l'improvisation a du bon dans l'instant. Elle nous sort de nos schémas cloisonnés, cloisonnants. Alors on va reprendre avec le petit soleil au-dessus de notre tête. Vous pouvez même laisser couler ces rayons au-dessus de vos cheveux, au-dessus de votre crâne, au niveau de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains. En fait, vous pouvez laisser couler toute la douceur de ce soleil tout le long de votre corps physique jusqu'à la pointe de vos pieds, la pointe de vos mains et la pointe de vos pieds. D'accord ? On va faire ça en deuxième temps. Inspire tranquillement à ton rythme. Laisse couler les rayons du soleil sur tout ton corps. Bloque ta respiration 1 à 2 secondes. Et au moment de l'expire, il y a comme s'il y avait des milliers de particules lourdes qui s'extraient de ton corps, de tout ton corps, qui sortent par tous les pores de ta peau, depuis le haut de ton crâne jusqu'à la pointe de tes pieds. Et laisse ce soleil baigner, te nourrir, nourrir toutes tes cellules, nourrir tous tes corps, nourrir ton cœur, nourrir ton corps physique, ta peau. Et on va commencer le petit voyage intérieur à partir du haut du crâne. On va laisser notre imagination faire et exprimer et créer à partir de ce soleil qui est au-dessus de ma tête. Je vais puiser la chaleur et la bienveillance et la bienfaisance de ce soleil. Et en inspirant, tous les rayons de ce soleil sont comme des milliers de mains au bout desquelles il y a des doigts qui vont rayonner et couvrir tout l'espace de mon corps physique, mais surtout aussi vraiment et de mon aura, tout mon corps, tous mes corps holistiques. Donc ce soleil, il est placé à peu près 30 à 40 cm, 20 cm au-dessus de ma tête. Imaginez-le comme vous avez envie. Laissez-vous vraiment, laissez exprimer votre imagination et votre ressenti surtout, parce que c'est à travers l'émotionnel et l'imagination que l'on peut créer, que l'être humain a la puissance et la capacité de créer, et de créer surtout un état intérieur différent que celui habituellement destiné à l'humanité, particulièrement en ce moment. C'est pour ça que je fais ce cercle de silence. Si tu veux, tu peux même ouvrir les yeux et sentir que le soleil rayonne même dans ton regard. Il rayonne dans ton sourire. Il rayonne dans tout ton visage. Et si tu as bien activé ton soleil au-dessus de ta tête et continue à bien respirer et le laisser pénétrer et activer dans toutes les cellules de ton corps son énergie, tu vas voir que tout naturellement, un sourire va se poser sur ton visage. Tes yeux vont être soleil, sourire. Toutes les tensions qu'il y avait sur ton visage ont disparu parce que tu as laissé pénétrer l'énergie du soleil en toi. Tu as ouvert ton cœur à la proposition. Et tu peux observer en posant ton regard, c'est comme un regard vide qui regarde dans le lointain. Tu peux choisir un objet mais sans t'identifier à l'objet. Juste regarder en utilisant ce point, cet objet. Et à partir de ce regard, qui est un regard intérieur, tu vas pouvoir ouvrir ton champ de vision et voir exactement tout ce qui se trouve dans ta pièce. Et ressentir même ce que tu ne pourrais pas voir et qui se trouve derrière toi, derrière ton corps, derrière ta tête. Là où on dit qu'on n'a pas d'yeux, mais qu'en fait, avec le regard intérieur, il est possible de ressentir tout l'espace et toute la pièce.
inspire et je vais vous proposer d'émettre, comme la dernière fois, un son. Je vais commencer à le faire pour vous, en départ. Baissez la musique. Cercle de silence. Si vous êtes bien connecté maintenant à votre corps physique, à votre respiration, à votre présence, que vous ressentez les bienfaits de cet inspire et de cet expire en vous, alors en inspirant, je vais juste me brancher moi sur mon soleil intérieur. Écoutez. Et laissez par l'expire émettre le son. J'inspire. Ça, c'est ma façon à moi de chanter et d'émettre mes fréquences. Je vous invite à faire pas de la même façon, mais à vivre cette expérience vous aussi, pour ne pas être dans l'attente de quelqu'un qui va vous transmettre, vous montrer, vous apporter. Bien sûr, il y a toujours un partage quand on apporte, il y a un échange. Mais ce qui est intéressant là, c'est que vous puissiez faire cette expérience. Parce que à la suite de ce premier direct, vous avez été certaines, c'était surtout des femmes, à me dire que vous aviez fait cette expérience de chanter, vous aviez osé, et qu'il y avait des choses vraiment belles qui sont avérées à la suite de cette expérience, parce que ça a permis de libérer beaucoup au niveau de l'émotionnel, du corps émotionnel notamment. Alors si vous voulez, la deuxième partie de ce cercle de silence, c'est... Osez, laissez exprimer, donc n'oubliez pas votre son, donc n'oubliez pas la colonne vraiment droite. Droite, vous êtes posé dans votre présence, vous avez activé le soleil à l'intérieur de vous maintenant, puisqu'il était au-dessus de vous tout à l'heure, et le fait de l'activer dans toutes les cellules de votre corps, votre visage, votre regard, votre sourire, permet donc du coup, bien, de le laisser et de l'activer en vous. Donc ce soleil qui était là, finalement, a presque perdu de sa force parce qu'il est venu s'activer dans toute votre réalité physique. Et c'est là l'expérience, c'est là que l'expérience commence, dans le ressenti que vous allez, l'expérience que vous allez vivre à travers cette proposition. C'est comme une sorte d'alchimie qui s'opère à ce moment-là. Alors si vous êtes OK avec ça, on va commencer. Vous allez le faire à votre rythme, bien sûr, en utilisant l'inspire pour récupérer, activer
les particules magnétiques de votre identité physique. Même si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, il faut que je vous le dise parce que ça vient activer justement cette proposition alchimique en vous. Et votre expire va être comme un souffle, c'est un souffle, comme ce souffle que l'on fait pour activer, réactiver le feu quand le feu va presque s'éteindre. Et donc, de la sorte, vous allez activer à nouveau ce feu à l'intérieur de vous. C'est ce soleil-là qui est là, mais vous allez le matérialiser et lui donner de la force vraiment sur le plan physique, sur le plan de votre physicalité. C'est important et vous verrez qu'il y a des choses qui vont bouger à la suite de ça. Alors, on va le faire ensemble. Prenez un peu, si vous avez préparé votre verre d'eau, buvez un peu d'eau. On y va. J'inspire. Je bloque une seconde ma respiration et j'expire. Arrêtez le souffle au niveau de l'expire. N'attendez pas forcément de ne plus avoir de souffle. Gardez toujours une petite réserve pour que vous ne soyez pas au bord de vous étouffer. C'est important. Ce que je fais là, moi, quand je transmets, en même temps, je transmets les fréquences d'Isma. Donc, ça peut vous accompagner dans ce petit travail qui est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Un petit exercice d'inspire et d'expire et oser laisser, au moment de l'expire, sortir le son de votre bouche et sortir et expérimenter ça. Alors des fois, il peut y avoir des émotions, bien sûr, qui viennent là et qui ont besoin d'être exprimées. Il peut y avoir à un moment donné des blocages, comme j'en parlais l'autre jour, et c'est normal au niveau de la gorge, par exemple. Si vous faites ça quelques minutes tous les jours, vous pourrez constater vraiment un bienfait énorme. Si vous le faites en plus dans la nature, alors là, c'est encore mieux, bien sûr. Voilà. Alors, il y a des gens qui arrivent en cours, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant sur cette première, sur ce début, parce qu'on va voir, ça va peut-être continuer, c'est d'avoir vos retours, parce que ce qui est important là, c'est un cercle de silence. Même si je parle et que je vous partage des choses, l'idée, c'est de rentrer justement. Le silence, c'est quoi? C'est rentrer à l'intérieur de soi. Il peut y avoir du bruit, on peut entendre des gens nous parler, mais l'important, c'est ce qu'on va connecter et le fait de rentrer en soi. Et le retour en soi et la reconnexion dans son intériorité, c'est ça le silence. Donc, ce qui serait intéressant maintenant, si vous êtes d'accord avec ça, c'est pour commencer que vous puissiez me faire un petit retour. Ça serait pas mal sur ce début d'expérience qui va continuer, qui n'est pas terminé. Juste pour que je sente un petit peu. Ce qui se passe au niveau du groupe. Et que je puisse alors du coup continuer avec vous dans le partage, dans la transmission en quelque sorte, hein. Et que mon expérience puisse être vraiment efficace, on va dire, et qu'elle puisse vous être utile tout simplement. Et pour ça, c'est pas mal si vous pouviez me faire un retour déjà de cette première petite expérience.
Merci, Fleur des Merveilles. éventuellement, s'il y a quelque chose que tu as vécu par rapport à ta physicalité, merci, Karim. C'est bien, c'est vraiment l'expérience que vous avez pu faire au niveau, sinon, soit au niveau de votre corps émotionnel ou au niveau de votre corps physique. C'est ça qui est intéressant parce que quand quelqu'un va partager, c'est ce qui se passe toujours. On a tendance aujourd'hui à nous empêcher de nous exprimer, de partager entre nous, mais le partage, c'est quelque chose d'énorme, c'est qui permet, quand quelqu'un exprime son expérience et la partage, ça va nourrir l'expérience de l'autre. C'est comme ça qu'on avance, en fait. D'accord. Patricia, tu dis cela m'a détendu. Ah, super, Samuel, une belle douche de lumière. Je t'en remercie, Samuel, mais avec ça, tu vas pouvoir te reposer maintenant. Arjan, une très bonne résonance, accord avec ta vibration et bienfait intérieur. D'accord. D'accord. Alors, si quelqu'un d'autre, pour moi, c'est une première. Alors, attendez, là, ça va vite du coup. Dali, pour moi, c'est une première. D'accord. Tu dis, Fleur, moi, j'avais une, en plus du soleil, la mer qui avançait et qui reculait, vraiment très agréable et apaisant. Alors, la mer, c'est l'inspire et l'expire, en fait. Que bon. Que ce qui s'est visualisé pour toi par rapport à ta banque de données d'images, quoi. Mais en fait, c'est ton inspire et ton expire, donc c'est ta respiration. Ça veut dire que tu as activé quelque chose est activé dans ton inspire-expire au niveau vraiment cellulaire, au niveau de ta physicalité, c'est-à-dire ton corps physique. Merci en tout cas. Anita, délibération, bâillement, des yeux qui pleurent, surprise par mon son. Oui, super. Une voix tendue et plus douce par la suite, tu dis Patricia. Merci. Véronique, c'est un voyage à l'intérieur de mon jardin, quelques picotements au niveau de la tête, une douce mélodie de chaleur qui m'a transportée vers la lumière. D'accord, merci. Dali, tu dis, je me sens vraiment bien, j'ai vu ma grand-mère. Bon, c'est magnifique. Et mes cellules dansent, tu dis Dominique. Bon, c'est chouette. Donc voilà, ça me permet de vérifier la justesse de ma proposition. Karim, je me sens bien dans mon corps intérieur grâce à ces respirations et expirations. Ok, super. Eh bien, alors, du coup, on va continuer si vous êtes d'accord. On va continuer. Reprenez un petit peu d'eau. Vous savez qu'on est fait à 80%, je crois, d'eau, hein. Donc, quand il y a des mouvements comme ça qui s'opèrent au niveau cellulaire, c'est important de pouvoir apporter, et ben c'est super Karim, de pouvoir apporter bien de l'eau avec une intention. Vous pouvez mettre une intention. Donc, je vais continuer à transmettre les fréquences d'Isma, parce que ça fait partie de mon job, hein, de ma couleur, tout en vous invitant à en faire de même. Et quand je transmets les fréquences d'Isma, il s'opère des choses en vous, forcément, c'est ça qui va permettre. Et comme vous posez, qui va permettre ben d'harmoniser des espaces en vous. Et puisque vous posez l'acte, et c'est-à-dire que vous posez l'acte dans le sens où vous êtes actif par votre inspire et votre expire que vous activez à travers le son, là, vous êtes super actif. C'est-à-dire que vous ne me laissez pas, vous ne me donnez pas votre pouvoir et... vous êtes donc, comment dire, acteur de la proposition. Et pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, on y retourne? Je vérifie si mon feu... Ok, mon feu est toujours... Alors, reprenez une autre position si vous avez besoin. Voilà, installez-vous plus confortablement par rapport à tout à l'heure, maintenant que vous avez bien vu comment ça fonctionne. Merci Samuel. Coucou Nadège. Alors, on va reprendre, maintenant que vous vous êtes un petit peu chauffé, on va reprendre donc cette base de la vie qui est l'inspire et l'expire. C'est la vie, tout simplement. C'est la base, c'est ce que l'on fait sans se rendre compte à longueur de journée et de nuit durant toute notre vie, depuis notre premier cri sur cette terre jusqu'au dernier souffle qui sera l'expire que nous rendrons au moment où ça sera l'heure pour chacun et chacune d'entre nous. Et donc, on touche à quelque chose d'important et c'est pour ça que c'est vraiment bien de pouvoir...
garder ce fil conducteur qui est la respiration et de s'octroyer des moments dans la journée. C'est pas quelque chose de compliqué. Souvent, les gens pensent, il faut avoir un tapis, il faut que je fasse du yoga, il faut que ceci. Non, rien. Ça peut se faire dans votre voiture, ça peut se faire sur une chaise, ça peut se faire dans le métro, ça peut se faire dans le bus, qu'importe. Vous voyez, ça peut se faire n'importe où parce que la chose la plus importante, c'est pas le lieu, c'est vous. C'est pas l'endroit, c'est vous. Vous voyez? Donc, ramenez toujours l'être humain au cœur du propos. Ça, c'est la proposition de départ. Même si rien dans ce monde ne nous invite à le faire, il est temps, comme je dis souvent maintenant, il est temps de se réveiller et de décider pleinement de, comment dire? Eh ben, de choisir et de vivre qui l'on est, d'incarner qui l'on est. Et oser être qui l'on est, c'est quoi? Ça commence par quoi? Ben, on ne peut pas être qui on est si on est dans si on est dans un corps qui ne respire pas, vous êtes d'accord? Donc là, ce qu'on fait ce soir, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est ça, c'est juste la base. On va respirer ensemble et je vous offre la possibilité, ou je vous invite tout simplement, plutôt, c'est plus juste, je vous invite à laisser votre expire s'exprimer et vous verrez. Parce que vous l'avez même partagé, certains d'entre vous, que des choses vont se passer. C'est normal, parce qu'on est en train de parler de la vie et du vivant qui est en nous. Donc c'est très simple tout ça. Merci Fabienne. Ok, lâcher prise et de la joie. Allez, ben on continue, hein? On continue. Allez, j'inspire tranquillement. Donc moi, je reste avec mes mains posées sur mes genoux. J'ai les mains qui sont ouvertes comme ça, détendues sur mes genoux. J'ai mon bassin qui est, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis des coussins de sorte à ce que je ne sois pas comme ça, assise comme ça, mais assise comme ça, avec donc mon bassin un petit peu en hauteur, ce qui permet donc une légère cambrure au bas de mon dos et permet à ce moment-là, cette cambrure permet du coup de remonter toute ma colonne vertébrale. De lui permettre vraiment d'être bien en verticalité, ça permet d'ouvrir du coup mes épaules, mais d'une manière vraiment naturelle quoi. Et ça me positionne vraiment, voilà, dans une ouverture ici au niveau de la poitrine, des épaules, ou une ouverture au niveau de toute ma colonne. Et donc ça va ouvrir au niveau de ma colonne d'air, ce qu'on appelle la colonne d'air, ce que les chanteurs connaissent, les chanteuses aussi. Et on va partir maintenant. On est parti tout à l'heure du haut du crâne avec notre soleil. On a bien activé notre soleil intérieur et on a activé les cellules solaires dans tout notre corps. Maintenant, on va partir de notre présence au niveau du chakra racine. Donc le chakra racine, c'est voilà, vous savez où ça se passe, c'est au niveau du bas du bassin, c'est toute l'assise, l'endroit où vous êtes assis, donc c'est tout le bas de votre corps à partir de votre bassin, ce qu'on appelle le bassin plévien. Donc à partir d'ici, vous allez respirer. Donc ça veut dire que vous allez maintenant ne plus respirer, vous allez bien sûr continuer à respirer avec les poumons, mais vous allez maintenant prendre conscience et respirer avec le bas de votre ventre, avec le hara et avec le chakra racine. Ici, là en bas, donc c'est tout le bassin qui va être voilà, comment dire, ouvert et on va porter notre conscience à cet endroit-là de notre corps. Ce qui fait que quand je vais inspirer, alors quand j'inspire, du coup, je vais tout ouvrir en dessous de mon diaphragme. Le diaphragme est là, je sous la poitrine. Et donc, je vais ouvrir à cet endroit-là. Et je vais gonfler. Et je vais gonfler à partir du dessous de ma poitrine, donc du diaphragme. Je vais gonfler mon ventre, comme si j'étais un petit Bouddha. Je vais laisser donc mon ventre gonfler. Bien sûr, mes poumons aussi vont gonfler. Mais je ne vais pas rester juste à cette respiration-là qui fait. Et j'ouvre juste mes poumons, mais je vais descendre. Et donc, je vais pousser mon inspire et le chercher en bas de mon corps. Et l'expérience, elle se vit. Comme si que, en fait, vous allez sentir votre ventre gonfler, tout simplement. Mais vous prenez pas trop la tête. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est juste des petites indications que je vous donne. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher toute l'énergie de la terre-mère à partir donc du chakra racine. Moi, je vais inspirer. Vous allez inspirer aussi en allant chercher. Vous pouvez le faire avec la bouche si c'est plus simple pour vous. Ou par le nez. Choisissez, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, qui vous paraît le plus simple et où vous êtes le plus à l'aise surtout. Donc j'inspire.
Je récupère tout mon inspire en cherchant à partir du bas de mon corps. Alors, si j'ai les pieds au sol, si je suis patiente ailleurs, ben, je récupère l'énergie tellurique de la terre-mère à partir du dessous de mes pieds. Et mon inspire va faire monter tout ça en traversant mes jambes, le bas de mon corps, mon chakra racine. Il va remonter jusqu'en haut ici. Donc, j'inspire. Je vais tout remonter ici. Je prends une seconde d'arrêt. Et j'expire par la bouche. Et quand j'expire par la bouche, c'est un mouvement comme ça qui s'opère en fait. Ça, quand ça arrive, mon inspire arrive de la terre. Bon, vous voyez pas tous mes gestes là. Mon inspire arrive de la terre, il vient ici, il vient rayonner ici au niveau de mon cœur. Et quand j'expire, il y a toute l'expiration et tout le rayonnement de ma poitrine qui vient et qui vient nourrir et s'expandre. Je ne sais pas si le mot existe, s'expandre dans tous mes corps, dans tout mon corps physique, mais tous mes corps, tout autour, toute mon aura, toute ma pièce, même toute la pièce où je suis positionnée. Ça peut aller très loin même, hein. Vous pouvez sentir votre aura même dépasser les murs de votre pièce. Mais ça, ce n'est pas forcément la première fois, mais petit à petit. Donc, on reprend. L'idée, c'est de vous ancrer à la terre-mère et de prendre l'énergie de la terre-mère, de vous reconnecter à elle par l'inspire. Et ça se fait en conscience. Vous pouvez imaginer que vos pieds, par exemple, sont enfoncés dans la terre, profondément enfoncés dans la terre. Imaginez la terre, le cœur de la terre, c'est un noyau, et ce noyau-là porte aussi un soleil, tout comme le soleil qu'on a activé tout à l'heure au-dessus de notre tête. On va maintenant activer le soleil intérieur de la terre et on va laisser rayonner toute la chaleur et la bienfaisance, veillance ou faisance, les bienfaits, voilà, les bienfaits de ce soleil que l'on vient, on vient se connecter donc au cœur de la terre, et ce soleil-là va venir, toute son énergie, on va la puiser. En inspirant, je puise à partir des racines de mes pieds, je viens puiser toute la chaleur de ce soleil du cœur de la terre, et toute cette chaleur, en inspirant, c'est comme si je faisais tout remonter à partir de mes pieds, mes chevilles, mes jambes, ça remonte le bas au niveau de mon bassin, le bas de mon ventre, et ça remonte jusqu'à mon cœur. Ok, on y va? Faites-le donc à votre manière, hein? Moi, je vais faire avec la bouche pour que vous puissiez mieux intégrer ça. J'inspire. J'ai bien arrêté ma respiration ici, j'ai bien pris conscience et en sentant bien qu'au niveau de mes pieds, au niveau de dessous de mes pieds, toutes mes petites racines, toutes les radicelles se sont plongées au cœur de la terre, ont connecté, je vois bien. Toutes mes racines qui se connectent avec le soleil central de la Terre remontent par mon inspire. C'est mon inspire qui ramène toute cette énergie-là et qui lui demande d'arriver, de pénétrer tout mon corps, toutes les cellules de mon corps, pardon, et arriver jusqu'à mon cœur ici. Puisque c'est mes poumons que je gonfle là. À cet endroit-là, je bloque quelques secondes, une seconde, deux, trois. Ça, c'est chacun qui décide, à votre possibilité physique aussi, bien sûr. Et au moment où j'expire, mon souffle est comme un feu, comme je disais tout à l'heure, qui va venir activer tout mon feu intérieur, en fait, toute mon identité solaire qui est inscrite au niveau de mon ADN, de mes cellules, de tout mon corps physique et de tous mes corps auriques aussi, hein, mon corps émotionnel. Mon corps causal, etc. Donc tous mes corps là, qui sont là, mes corps, ce qu'on appelle les corps subtils, ou l'aura, appelez ça à votre façon. Donc on va reprendre, et maintenant moi je vais le faire en inspirant par le nez, parce que c'est ce que je préfère. Donc j'ai bien conscience de mon alignement terre-ciel, mon alignement terre qui va m'amener à m'ancrer profondément dans la terre, et connecter donc avec la chaleur du soleil central de la terre, et ciel, c'est aussi cet autre soleil qu'on a activé tout à l'heure, qui est toujours là, hein, il est présent, même si on l'active moins, parce qu'il est maintenant inscrit dans notre corps physique, mais il est toujours là. Donc on va travailler avec les deux soleils. Alors, j'inspire. Je sens bien, hein, l'énergie qui traverse le long de mes jambes, là, à partir de mes pieds, qui remonte le long de ma colonne vertébrale. Ça fait des pétillements le long même du bout de mes doigts, de mes mains, de mes bras. Et ça remonte à cet endroit-là, au niveau de ma poitrine et de mon cœur.
Je bloque donc ma respiration et j'expire. Et quand j'expire, ce que je fais, moi j'expire par le nez parce que c'est ce que je préfère, j'inspire par le nez également. Quand j'expire, je vais contracter mon ventre et vider aussi mon ventre et mes poumons. C'est-à-dire que ça fait ça en fait. J'inspire. Tout l'air est passé dans mon ventre, hein, j'ai rempli aussi le bas de mon ventre. Hein. Vous allez normalement devoir sentir à un moment donné se gonfler doucement mon diaphragme sous ma poitrine et ma poitrine. Et au moment où je fais une seconde ou deux, j'arrête, je bloque ma respiration. Et au moment où je vais expirer, je vais contracter. Je contracte tout mon ventre en fait pour aller vider tout l'air qui était inscrit, qui s'est mis dans mon ventre puisque je me suis chargée aussi de cet air-là. Donc c'est pas que les poumons, c'est aussi le ventre. Et donc j'expire. Oui, donc j'expire. Et à un moment donné, ça va même monter jusqu'à là. En fait, si je fais le bruit de mon expire, je vous montre, hein, c'est des petites techniques que vous pouvez mettre en pratique petit à petit. J'inspire donc. Et là, vous allez même entendre votre expire résonner ici au niveau de votre œsophage. Bon, voilà, ça c'est un petit, des petites infos que je vous donne en passant. Mais qu'importe, ce qui est important maintenant, c'est l'expérience que vous faites avec vous-même dans l'instant présent. Si vous ne respirez pas, comme j'ai essayé de vous le montrer, c'est pas grave. Vous savez respirer de toutes les façons, ça c'est clair, sinon ça fait longtemps que vous seriez mort et morte. Donc il n'y a pas de souci avec ça, ne vous prenez pas la tête. Allez, on reprend, moi je vais transmettre les fréquences d'ISMA sur mon expire. Je vous invite également à expirer et à émettre un son, le son qui va... Voilà, qui va s'imposer à votre corps physique. C'est votre corps qui vous dicte, c'est pas votre tête. On y va? Ouais, j'inspire. Je bloque. Je peux même arrêter ma respiration parce que j'ai pas vidé complètement mes poumons. Je peux même bloquer à la fin de mon expire une ou deux secondes avant de reprendre ma respiration. Et j'inspire. Je me connecte au soleil central de la Terre. Je laisse son énergie remonter par mon inspire. Je fais venir cette énergie dans tout mon corps. Ça remonte le long de mes jambes et ça vient se poser ici. Au niveau de mon cœur. Inspire. Bloque. Expire par le son. Et je sais que lorsque j'expire mon son, c'est les particules solaires qui sortent de ma bouche et qui viennent à nouveau, qui viennent à nouveau nourrir toute mon aura, tous mon corps, mes cellules, toute ma matière vivante. Donc rien ne se perd, tout se recycle dans la nature. Mon inspire va permettre de nourrir un espace en moi et mon expire va permettre de nourrir un autre espace qui va lui-même venir nourrir à nouveau ce premier espace qui est l'inspire, qui va lui-même nourrir ce second espace qui est l'expire, et comme ça, ad libitum, comme on dit en musique, c'est-à-dire à l'infini.
Voilà les amis, ça c'est la base. C'est la base de la vie, ce que tout le monde devrait faire chaque jour, même si c'est 3 secondes, vraiment, ou 3 minutes, parce que 3 secondes c'est trop court, ou 5 minutes par jour. Octroyez-vous cette hygiène de vie, parce que c'est vraiment très très important, très très important. Si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous dépolluer des formes pensées, des énergies électromagnétiques, électrostatiques, de toute cette pollution ambiante qui est là, eh bien faites ça chaque jour. Alors, Nadège, ma petite fille de 4 ans a souri en t'entendant et t'imite. Que d'harmonique dans ta voix, toujours aussi magnifique. Merci Nadège, mais je crois que tu chantes toi également. Donc tu sais à peu près de quoi je parle. Enfin, à peu près, pas à peu près. Tu sais également de quoi je parle. Mais tu feras des bisous à ta petite. Magnifique, c'est super. Bien. Bien. Et si les enfants peuvent être initiés, eh bien, voilà, au plus tôt, eh bien, c'est le mieux. Au plus tôt, c'est le mieux. On refait un petit tour un cercle de partage, si vous voulez, sur cette deuxième expérience. Merci Argent. Pendant que je vous laisse écrire vos commentaires, je vais remplir mon verre. On fait ça à la bonne franquette. Alors. Oui, Nadège. Alors, Samuel, des sensations de végétation qui poussent dans les jambes jusque dans mon bassin. Et je me sens être dans un grand jardin tout autour de moi. Ah, mais c'est magnifique, Samuel. Merci beaucoup. De la chaleur dans mon corps, Fabienne, et le soleil m'a réchauffé. Super, merci pour vos retours. Donc, voilà, certains diraient, bon, vous êtes dans une imagination débordante, etc., etc. Mais non, non, tout ça, c'est important parce que, à partir du moment où ce que vous visualisez, vous le vivez dans votre corps physique, donc ça veut dire que c'est pas le mental qui, voilà, qui raconte des histoires. Ça veut dire que notre corps physique, c'est notre temple. Donc si c'est notre temple, eh bien, ça veut dire que c'est lui vraiment qui nous enseigne et nous transmet les informations qui sont réelles. Notre corps est réel, il est réel, on est vivant, vous voyez? Donc ça, c'est super, Samuel, par rapport à ce que tu m'as dit. Une végétation qui pousse dans les jambes, donc ça veut dire que c'est il y a un travail d'ancrage qui s'est fait à ce moment-là. C'est comme ça que je le comprends, en tous les cas. Et du coup, ça te permet d'être dans cet état de dans un jardin. Donc ça veut dire comment dire c'est doux quoi. C'est une ambiance qui est bienveillante et bienfaisante. Et pareil pour toi, Fabienne, la chaleur dans ton corps. Donc c'est qu'on a vraiment bien activé quelque chose. Agnès, Patricia, pardon, je me sens de nouveau dans ma verticalité. Ben c'est super, voilà, super, voilà. Donc ça confirme bien. Ouais, c'est chouette, super. Donc, Christine, une très belle harmonie avec le son de ta voix, super, ok. Nadège, ma petite Mila te fait un bisou et moi aussi. Mais je vous embrasse, gros bisous Mila, bisous, à bientôt et bonne nuit. Dominique, je me sens nourrie et complètement détendue. Génial. Samuel, merci Ayette. Avec plaisir, merci Samuel. Dali, bénédiction Ayette, des énergies d'amour, de bien-être et de sécurité. J'ai vu une porte entourée de jaune or et mon âme au centre. Bon, superbe. Et qu'est-ce que dans ton corps physique? Oui, je pense que tu te sens bien avec cette vision-là, Dali, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est votre corps physique, ce que vous avez ressenti. Fleur, un sentiment de légèreté et de paix. Merci beaucoup. Extra. Bon, chouette. Donc, mission accomplie pour Ayette, c'est chouette. Et pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, de toute façon. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, comme vous savez, c'est de l'impro. Donc, eh bien, écoutez, après ça, on va boire de l'eau. Permettre à toutes nos cellules qui ont chauffé justement avec cette fréquence-là, qui est la fréquence solaire, vous savez, hein, ISMA, identité solaire magnétique de l'amour, mais en plus, vous avez activé quelque chose. Donc, on travaille en binôme, on va dire. Donc, ça permet, l'eau permet à vos cellules d'être nourries. Anita, bonsoir. Sensation très forte au centre de ma poitrine, palpable. Douleur dans le haut des épaules et ma nuque. Avec des muscles qui se gonflent, sensation d'un thorax qui s'ouvre. Chouette, super. Alors, il faut savoir que quand il y a des ouvertures comme ça sur le plan énergétique et physique, il y a des ouvertures et puis du coup, bah, ça crée des tensions ou alors ça révèle des tensions qui sont déjà là. Et comme l'énergie est là, elle vient faire un peu le ménage, on va dire, hein. Elle vient ouvrir les volets, les fenêtres, aérer les espaces, etc. Et donc, ben, quand ça rouvre et que ça fait longtemps, ça n'a pas été ouvert, ça crée ce genre de sentiment, peut-être des fois des sensations de petite douleur, mais qui s'estompent dans la mesure où on est prêt aussi à accueillir ça. Merci en tout cas pour le partage. Patricia, le soleil de la Terre m'a redonné de la force. Le soleil était aussi présent sur ma tête. J'ai beaucoup bâillé et je sens de nouveau, me sens de nouveau plus joyeuse. Super, merci beaucoup, Patricia. J'ai moins froid et j'ai retrouvé la douceur d'une voix intérieure. Ok, extra. Merci. Arjane, excuse-moi si je prononce mal ton nom. Oui, de la libération. Laissons, c'est bon, ça nous remet d'aplomb. C'est bien. En plus, tu fais des vers sans en avoir l'air. Ou alors c'est fait exprès, je ne sais pas. Bon, bien sûr que c'est la base. Vous savez que tout est vibration. Tout vibre. Alors ça vibre bas, ça vibre mal, ou ça vibre haut, ça vibre bien. Ça vibre et ça nourrit, et ça vibre et ça nous plombe. Mais voilà, donc nous, on a vraiment cette responsabilité d'aller. Ben, voilà, d'être conscient de ça et puis. De ramener à chaque fois, parce qu'on est connecté à toute cette énergie, à toute cette vie, à ces fréquences, à ce son, on est connecté à ce mouvement de vie, on est connecté à la vie en fait. Et bien sûr qu'on ne peut pas toujours être open comme ça, branché à 200%, c'est normal, on est des êtres humains. Mais le truc, c'est d'inscrire à chaque fois dans notre quotidien, comme une prière, comme font les musulmans, ils prient 5 fois par jour, ils inscrivent dans leur journée quelque chose, comme d'autres gens qui font des méditations, etc. Bref, donc ça, c'est des exemples pour dire que c'est important d'inscrire dans sa réalité, dans son quotidien, des moments comme ça pour soi, même si ce n'est qu'un moment, c'est pas grave. Mais commencez, en fait. Alors, Véronique, circulation des énergies du bas vers le haut, une belle ouverture vers notre terre-mère. Merci beaucoup. D'accord, merci à toi, Véronique. Alors, vous voyez, donc, c'est simple, hein, mais je reviendrai pour continuer. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus au niveau du visuel pour que, bon, en même temps, c'est pas très compliqué de savoir comment on s'assied pour avoir la colonne droite, ces trucs de base, le bassin un peu comme ça. Mais bon, bref, je suis pas une pro de l'image, mais je ferai en sorte d'améliorer à ce niveau-là. Ok. Alors, merci Fabienne. Une pratique à vivre chaque jour. Peux-tu nous parler du son Om? Eh ben super, on va finir avec le Om. Alors, du coup, on va continuer ou finir, on verra. Mais on dit que dans le Om, c'est le haut, et que dans cet espace du haut, on est rassemblé tout. C'est comme si tout est rassemblé dans cet espace du cercle, en fait. Là, j'ai proposé un cercle de silence. Quand on se met en cercle, on rassemble toute l'énergie de toutes les personnes qui sont présentes, par exemple, pour parler du haut, qui est le Om. Et là, on crée un monde, en fait. Dans ce cercle-là, plus rien ne peut rentrer, mais tout y est, tout est là, tout est déjà inscrit dans ce cercle-là. Quand tu fais le Om,
Il y a quelque chose qui s'ouvre déjà au niveau de ton visage, dans la matière, hein, pour essayer de décoder ça là dans l'instant. Dans l'expérience du home, quand tu le fais, ça ouvre ici, ça ouvre là, ça ouvre là, ça ouvre à tout, enfin, pour moi en tous les cas quand je le fais, ça m'ouvre là dans tous mes espaces, donc ça veut dire que ça ouvre une respiration aussi par rapport, bien sûr, encore une fois, avec les corps subtils. Ça ouvre ici. Et le m, il est conclu, c'est comme si enfin, ce qui me vient, c'est conclusif. Ça veut dire que on a ouvert quelque chose et on va l'amener à quelque chose qui va se fermer. Ah ben, en fait, pour moi, c'est relié à l'inspire et l'expire, en fait, là. Si je te dis ça comme ça, là, dans l'instant. C'est le son universel, bien sûr, hein. C'est le son de la paix, etc. Donc, je pense que c'est, de toute façon, c'est un son qui est puissant, qui est créatif. Mais il y a aussi le A, E, I, O, U, les voyelles, là, que j'ai fait en début, qui elles aussi sont porteuses aussi d'une énergie, hein, et d'une information. Donc, le home porte une information qui est puissante. Et l'activer à chaque fois, souvent, régulièrement et tout, c'est bon aussi. En même temps, tu sais que Fabienne, hein, tu me connais un peu, je m'attache pas à m'enfermer dans un système ou quoi. J'utilise pas forcément le home. Des fois, ça m'arrive, je le fais. Mais pour moi, c'est mon son porte tous les homes. Tu vois, je pense que voilà, tu m'as comprise. À partir du moment où tu fais un son, eh bien, c'est ton son et ce son-là porte ton monde à toi. Donc, je sais pas si je t'ai répondu, si j'ai répondu à ta question, mais c'est ça qui me vient. Dans le home, il y a tout. Il y a toute la construction de l'univers. Il y a toi, il y a nous. Il y a quelque chose qui est fermé mais qui est pleinement ouvert aussi. Il y a le point minuscule, il y a le microcosme et le macrocosme, parce que dans ce cercle-là qui est le haut, si tu mets un point au milieu, ben, moi c'est ce qui me vient, ça vient toucher le yin-yang aussi, parce que si tu mets un point au milieu de ce haut-là, eh bien tu crées à nouveau le microcosme dans ce macrocosme qui est le haut. Et puis il ouvre ici. Quand tu fais le il vient ici ouvrir au niveau du troisième œil. Il te permet de faire une caisse de résonance ici déjà avec le haut de ton crâne. Ça, c'est juste au niveau physique, hein. Et puis toute la symbolique et la force qu'il y a derrière. C'est un verbe créateur, hein, de toutes les façons, hein. C'est de l'or, hein, le home. Alors, Dali, merci Ayad, je circule mieux dans mon âme. Gratitude aux fréquences Isma. Super, merci à toi. Patricia, en ce moment, je vibre bas et je suis plombée. Alors, ces temps de silence me donnent de l'élan. Mille merci. Eh bien, écoute, tu peux les prendre enfin, tu sais quoi faire, hein, Patricia. T'es pas obligée d'attendre les directs, hein. C'est quelque chose que tu peux créer toi-même tous les jours, hein, avec toi. T'as vu à quoi ça. Puis tu peux les reprendre, les directs. Donc, ça veut dire que tu es co-créatrice. Eh bien, si ça va pour vous, on va conclure avec le home. Merci Fabienne pour cette inspiration. Alors, décidez de vous connecter au soleil que vous. Allez, on va prendre à partir de notre soleil d'ici, le soleil de notre cœur, du coup. Allez, la colonne bien verticale. Je suis dans ma présence physique. J'inspire et j'expire à mon rythme, le home.
pouvez continuer avec le O, moi je vais continuer avec le A, E, I, O, U. Voilà mes amis pour ce second cercle de silence. Merci vraiment pour d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir partagé, d'avoir fait grandir ce cercle de silence par votre présence et le partage de vos expériences aussi. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais vraiment chaque goutte d'eau dans l'océan est importante puisqu'elle... Chacune d'elles permet la matérialisation de cet océan qui est un océan d'amour. Et chacun et chacune d'entre nous sommes indispensables dans la création, cette création magnifique qu'est la vie. Nul n'est indispensable. Tout le monde est... Attendez, nul n'est indispensable. Comme je suis un peu fatiguée là. On est tous importants en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous importants. Et que tout le monde est indispensable, voilà. Tout le monde est indispensable dans cette réalité, dans ce qui est en train de se jouer en ce moment pour l'âme humaine. Merci, Fleur. Merci. Je vous souhaite une belle continuation, une douce soirée ou belle nuit.
Je vous dis à très très bientôt. On se revoit dans quelques jours pour les personnes qui sont inscrites à la prochaine séance activation des codes diamants. J'ai changé la date, c'est le 14 à 20 h. Il reste quelques places hein, d'ailleurs en passant. Ouais, c'est ça, il reste quelques places dans les médias. Merci vraiment, avec grand plaisir. C'était un petit peu chaotique au début, je m'en excuse, mais voilà, je vais essayer de m'organiser pour les prochaines fois. Mais j'ai besoin d'avoir un peu la pression, j'ai l'impression, quand je dois faire des directs, parce que ça me pousse, quoi, ça me booste. Merci Karim. Dali, Anita. Super. Patricia. Merci Ayette, tes fréquences étaient en lien avec ma voix. Le chakra coronal était ouvert et mon bassin toujours tendu. Merci, super. Bisous Fabienne. Arjan. Ouais, c'est ça, un petit cours de chant, un petit cours de respiration, un petit cours de vie, un petit cours de présence à soi, de libération. On peut l'appeler comme on veut. Mais oui, c'est ça aussi, ouais. Merci. Véronique, belle soirée à toutes et à tous. Des gros bisous, je vous dis à bientôt. Vous aurez l'occasion de revoir ce live sur Facebook et puis je vais le mettre en ligne sur ma chaîne. Et j'en profite. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube parce que bientôt je vais être beaucoup plus sur mon YouTube que sur Facebook. Donc voilà, ce sera des directs qui auront lieu plus sur mon YouTube. Je vous embrasse. Coucou Déborah. Ah super, tu étais là. Bon, bah écoute, super. Eh bien, vous savez ce que je vais faire? Je vais remettre la musique puisque j'ai plus besoin de parler. Et on va finir comme ça. Il faut nourrir la beauté et l'harmonie dans ce monde. Dès qu'on le peut, vraiment. Et en fait, on le peut à chaque instant. Il suffit de le décider. Un extrait de l'ouvrage Le prophète de Khalil Gibran. Khalil Gibran. Ça vous dit? Ok. Est-ce que vous m'entendez bien à partir de là? De là où je me suis mise, là, près de mon téléphone? Ce livre est très beau, c'est vraiment des enseignements. C'est un livre de chevet, ça fait 30 ans que je l'ai, et là je l'ai retrouvé. Alors, je crois que tout le monde est parti, non? Vous êtes encore quelques-uns? Oui, allez, super. Du coup, je vais mettre ça parce que...
Une femme dit alors, « Parle-nous de la joie et de la peine. » Attendez un instant. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Je m'installe. Une femme dit alors, « Parle-nous de la joie et de la peine. » Et le prophète répondit, « Votre joie et votre peine, sans masque. Et le puits d'où s'élèvent vos rires a souvent été rempli de vos larmes. Et comment pourrait-il en être autrement? Plus votre peine entaille profondément votre être, plus vous pouvez contenir la joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas celle que le potier a cuite dans son four? Et le luth qui apaise votre esprit n'est-il pas fait d'un bois taillé par des couteaux? Quand vous êtes joyeux, sondez les profondeurs de votre cœur et vous découvrirez que ce qui vous a donné de la peine vous donne à présent de la joie. Quand vous êtes triste, sondez de nouveau votre cœur et vous vous apercevrez qu'en vérité, vous pleurez sur ce qui vous a réjoui. Certains d'entre vous disent « La joie l'emporte sur la peine » et d'autres répondent « Non, la peine l'emporte sur la joie. » Moi, j'affirme qu'elles sont inséparables. Elles arrivent ensemble et si l'une d'entre elles est assise à votre table, rappelez-vous que l'autre dort dans votre lit. Car en vérité, vous êtes comme une balance suspendue entre la joie et la peine. Vous ne maintenez votre équilibre et votre immobilité que lorsque vous êtes vide. Et quand le gardien du trésor vous soulève pour peser son or et son argent, votre joie ou votre peine doit alors monter ou bien descendre. Voilà les amis, je termine avec cette belle sagesse à lire, relire de la joie et la peine du prophète de Khalil Gibran. Je vous souhaite une belle nuit les amis, je vous embrasse. À bientôt.